Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de je ne sais pas trop quoi d'ailleurs parce que je vais tester des plugins pour photoshop euh et euh des plugins de retouch for me qui sont des plugins dédiés plutôt aux portraitistes donc euh les animaliers, les adorateurs du paysage, je suis désolé ça sera pas pour vous aujourd'hui il euh, y en a beaucoup qui sont pas pour vous d'ailleurs. Euh, mais euh, là, on va tester, c'est censé accélérer le boulot du retoucheur en lui faisant, grâce à l'intelligence artificielle, euh, du boulot à sa place. Alors l'intelligence artificielle, on vous le vend au kilo de ces temps-ci. Combien de kilos vous voulez d'intelligence artificielle Donc on va voir un peu ce que ça donne. Il euh, y a différents plugins, je vais vous en montrer euh, quatre. Je vais vous montrer euh, un truc qui nettoie le fond, un truc qui euh, harmonise les différences de luminosité sur euh, la peau, euh, pas que sur la peau d'ailleurs, un truc qui déplie les vêtements et un truc qui corrige les petits boutons. Donc, euh, on va regarder le fond. On est avec la belle, on sera avec Playour sur ces deux-là et avec Estelle sur celle-là, et on va voir un peu ce que ça peut donner. C'est des photos brutes de fonderie. Elles n'ont eu aucune correction avant. Alors, nettoyer le fond, qu'est-ce que ça fait Vous voyez que là, mon fond, il n'est pas très propre. Il y a des plis, mais ça, toujours avec les fonds papier, ou même des, des fonds tissus, on peut avoir des marques, ou des choses comme ça. Donc, ben, on va voir ce que ça donne. On va déjà dupliquer le calque, tant qu'à faire. OK on va faire filtre, retouch for me, clean backdrop. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a de beau et qu'est-ce que ça fait Alors, Vous voyez, quand vous le lancez, il fait un truc. Donc vous voyez, ici, si j'appuie, je vois l'original. Donc vous voyez tout de suite que dans cette zone-là, il a plutôt pas mal nettoyé le fond. Alors pour celui-là, vous avez différentes options. Le blend, c'est une sorte d'opacité. J'applique ou pas. D'accord Donc j'applique pas j'applique. Ensuite ici, vous le retrouvez dans tous les plugins. Alors le invert masque, euh, n'ai pas trop compris le concept. Donc pour l'instant, on va pas y aller. Si vous allez là-dessus, vous voyez, il vous montre les zones qui corrigent. OK Donc je peux lui dire bon ben, je vais à la brosse et finalement cette zone-là, je veux pas que tu la corriges. Donc la brosse, la taille elle se règle ici. D'accord Donc elle va devenir plus grande et je dis voilà, ben, cette zone-là, je ne veux pas que tu la corriges. D'accord, donc c'est comme un masque de fusion, si on veut. Euh, et cette zone-là, je peux lui. Et puis ensuite, si je vais sur la brosse, je dis non, finalement, je veux que tu la corriges. Par contre, il y a des choses où vous pouvez, euh, vous pouvez pas lui dire finalement, corrige-moi plus. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'il n'a pas trop corrigé, mais je peux pas passer la brosse dessus, elle est déjà dessus. Donc là, lui, il a considéré qu'il n'y avait rien à corriger et vous pouvez rien y faire. Vous pouvez éventuellement choisir est-ce que la correction va se faire sur des, 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 des saletés importantes ou pas importantes C'est-à-dire là, vous voyez, il corrige quand même des gros blocs. Si je vais sur le, la partie plus fin, vous voyez qu'il va corriger moins. D'accord on, on va voir vous voyez, en effet, il corrige moins. D'ailleurs, si, si on retourne ici pour voir le résultat, on voit que là, il y a plus d'ombre qu'on avait avant. Donc, le clean backdrop, c'est pas plus compliqué que ça. OK euh, Des fois, vous avez des options ici pour faire un masque ou pour faire un, un calque de lumière continue ou ce genre de choses. On ne va pas y aller. L'automasque, vous l'avez sur celui-là, en fait, pour lui dire ne t'occupe pas du sujet. Donc, exclut le sujet de la correction. Parce qu'autrement, si vous le faites pas, il peut décider de corriger la totalité. Et par exemple, le ventre ici, il considère que c'est du fond. On va le voir ici. voyez Ici, il m'a fait des petites, des petites corrections, sur le tissu aussi, il m'a fait des petites corrections. D'accord Si on le met par exemple en, en plus gros, vous allez voir qu'il il va dire que... Euh, là, ici, il faut harmoniser, là, ici, il faut harmoniser. je suis en gros, oui. Et donc à ce moment-là, si on regarde euh, l'original... Pardon, je vais revenir là. On va faire l'original et sans. Vous voyez des différences ici, ok Donc l'automasque, c'est pour protéger le sujet. Le sujet ne sera pas corrigé. Donc je fais Apply. Voilà. Ça, c'est corriger le fond. Pas très compliqué. Ensuite, on a quoi On a euh, Filtre. On va regarder le Fabrique. C'est retirer des plis. Pour ça, on va aller chez Estelle. Et on va faire Filtre. Euh, retouch for me Fabrique. Alors, qu'est-ce qu'on a dans celui-là donc, dans celui-là, vous avez un système qui vous dit est-ce est que je suis dans un portrait serré Est-ce que je suis dans un portrait euh, milieu Soit je suis dans un portrait complet. Et vous avez auto, ils se tout seuls. Il y a des gens qui aiment mes photos, formidable. Et là, auto, ils se tout seul. De la même manière, vous avez ici un blend. Okay Alors, qu'est-ce que ça fait en vrai on va, se mettre, on va se mettre à 100 pour, pour s'en rendre compte, hein, d'accord Et on va afficher original, hop Vous voyez tous les plis qui sont là, ok Et le pli qui est là en dessous, de la même manière, il le retire. Et les plis qui sont là, de la même manière, il le retire. On en voit ici qu'ils sont retirés. C'est pareil, on peut pas, on peut... Euh, si on va là, vous voyez, il dit voilà les plis. Mais vous vous pouvez pas lui dire ce pli là occupe occupant. C'est lui qui va décider les plis, qui, oui, qui va corriger. Vous pouvez pas lui dire il y a un pli en plus, il faut s'en occuper. Donc là si vous allez la brosse, vous pouvez pas dire là il y a un pli et je veux que tu t'en occupes. Non, il a repéré les plis et tout ce que vous pouvez faire c'est lui dire ne t'en occupe pas. Donc là par exemple alors, on a toujours la, la brosse, hein. je peux dire cette partie là tu t'en occupe pas. D'accord, mais c'est tout et c'est assez binaire d'ailleurs. C'est-à-dire que tu t'en occupes pas ou tu t'en occupes. Dans cette brosse-là, vous voyez que je n'ai pas de notion d'opacité, de débit. C'est vraiment pour retirer euh, le truc. Okay je ne peux pas faire autrement. C'est par exemple, par exemple là, il a fait un truc dans les cheveux. Ben, je sais pas, je dis, oh, t'es gentil, mais là, c'est les cheveux, tu t'en occupes pas. Donc, on retrouve les mêmes, euh, les mêmes choses. Hein. Alors, moi, celui-là, je suis plus sceptique. Je suis plus sceptique parce qu'en fait, quand on zoome. Euh, alors, on va retourner là. On va zoomer un peu. On va aller euh, là où il y avait euh, les plis. Voilà. Et vous voyez qu'il y, y a une dominante de couleur qui a été mise. J'ai du vert là. Et j'ai une espèce de violet en dessous. Et là, de la même manière, j'ai une espèce de bleu. Alors, on va le voir si on, on dit d'accentuer vraiment. Vous voyez donc en fait, il faut y aller mollo. Voilà, là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Ça me fait un peu moins de plis. Euh, mais si vous y allez trop, euh, bon bah on voit, on voit quand même des, des grosses différences et des histoires de colorimétrie qui commencent à arriver. Avec du rose, avec euh, des trucs comme ça. Donc celui-là, ouais, moi je ne dépasserai pas le 60, hein, si on veut corriger. Donc on va on va dézoomer pour voir un peu euh, ce que ça dit. Donc euh, voilà, original. Voilà, ça en retire quand même un peu. Ça en retire quand même un peu. Ça, ça atténue les plis, mais ça ne les retire pas. Ça les atténue. D'accord OK. Euh, Apply, j'avais fait. Non, je n'avais pas copié. Donc bah maintenant, il m'a fait ça sur le, le calque directement d'arrière-plan. Hein, donc pensez bien à copier, je vais faire CTRL Z pour revenir là où j'en étais avant. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir on va, euh, on va prendre celle-là, très bien, toujours euh, Péliour, et puis on va aller dans Filtre et on va faire le Heal. Quel -ce que c'est que le Heal Alors le Heal, c'est retirer du bouton. De la même manière, on a ici, est-ce que c'est un portrait serré Est-ce que c'est un moyen et auto, il se débrouille tout seul. On retrouve les trois trucs là. Et ici, on a une sensitivity. Et donc, en fait, si vous touchez à ce truc là, il vous montre ce qu'il corrige. Et il le corrige plus ou moins. D'accord Donc maintenant, si je vais zoomer... Euh, si je vais zoomer... Voilà. Donc, et voilà. vous voyez, là, j'ai rien corrigé. Et là, je corrige. Très bien. On peut appuyer sur original pour s'en rendre compte. D'accord. Alors, c'est pas mal. Mais en fait, moi, sur ce genre de photo, il y a des choses que je vais corriger et des choses que je ne vais pas corriger. Dans le sens où lui, il traite les rougeurs et les grains de beauté un peu de la même manière. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez que là, j'ai un grain de beauté euh, là-haut. Euh, il l'a viré, j'ai un grain de beauté ici en bas, il l'a viré. Il y a des rougeurs aussi, il les a virés. Mais euh, des fois, on a envie de les garder, les grains de beauté. Je veux dire, le grain de beauté qui est là en dessous de l'œil, par exemple, euh, si j'avais appuyé sur original, le petit là, moi j'aime bien celui-là. Euh, les deux sur le menton, je les aime moins. Donc celui-là, euh, moi personnellement, je vais les retirer. D'une manière générale, je retire ce qui est un peu boursouflé en fait. Euh, donc là, c'est pareil, on est dans un mode un peu brutal euh, qui dit, euh, voilà, je nettoie tout, ou je nettoie rien, mais on n'a pas d'option rougeur, grain de beauté, c'est quelque chose qui aurait pu être intéressant, pour l'instant, on ne l'a pas. Mais si, d'une manière générale, vous virez tout pour avoir euh, pff, le truc nickel euh, sans, sans grain de beauté, euh, c'est quelque chose qui va vous faire gagner du temps, d'accord Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a encore Et le dernier que je voulais montrer, c'est ce qu'on appelle le Dodge and Burn, filtre uh, Retouch For Me, euh, Dodge and Burn. Ok, alors lui, il fait quoi On a toujours ces histoires de portrait euh, euh, prêt, pas prêt, ou ainsi de suite. Alors, on va. là, on a deux choses. On a le Blend, d'accord, qui est l'opacité, on va dire le... On va dire la, la force de l'effet. Et on a une notion de, de, de couleur. D'accord euh, Qui dit je réchauffe ou je ne réchauffe pas. Alors on va, on va s'approcher euh, de la tête euh, et on va voir ce qu'il fait. Voilà. Maintenant, je vais mettre ça à fond pour qu'on voit bien l'effet. Je vais mettre le warm à zéro. Très bien. Et maintenant, je vais appuyer sur original. Donc regardez ici, par exemple. Regardez dans cette zone-là, ici. Vous voyez que sur l'original, j'ai une espèce d'ombre. De la même manière, ici, c'est plus sombre, et aussi là en bas, c'est plus sombre. Et en fait, là, il vous l'a corrigé. D'accord Il a corrigé cette zone-là. Si vous voulez voir ce qu'il a corrigé, on va sur Brush, et vous voyez toutes les zones qui corrige. OK Donc lui, il a décidé de corriger ces zones-là, parce qu'il a dit ces zones-là, elles ont une grande différences de luminosité et je vais les corriger plus que les autres. On revient sur panneau de zoom, donc voilà ce que ça fait ici. Ensuite, le warm, c'est quoi Alors on va, on, va, on va zoomer encore plus. D'accord On va zoomer là. Et on va mettre le warm à fond. Dans cette zone-là, c'est devenu plus orange. Alors je vais essayer de vous basculer de l'un à l'autre pour que vous puissiez le voir. D'accord Donc là... Plus froid, plus chaud. Plus froid, plus chaud. C'est difficilement perceptible, mais moi je le vois. D'accord On voit des petites différences. Là c'est plus froid. Là ici c'est devenu un peu plus rosé. Donc ça c'est un curseur qui sert. Faut voir la différence, d'accord Mais ça sert à faire ça. Donc maintenant, si on regarde une, une photo euh, complète, si je prenais une photo euh, complète et que je fasse euh, ça, tiens, on, on, va faire, on va faire une photo qu'on va passer dedans et on va voir ensuite, moi, ce que j'ai pu faire avec à côté. D'accord On va regarder euh, un peu ça. Donc on va retourner, on va prendre celle-là, d'accord On va prendre celle-là, euh, on va euh, virer ça et on va passer les différentes choses. Donc, je vais d'abord passer le clean backdrop. D'accord Ah, zut Ouf, Écoutez, oui, j normalement, il aurait fallu que je, je duplique les calques. Mais comme c'est un test, ce n'est pas bien grave. Donc, j'ai mon clean backdrop. Très bien, apply. Ensuite, je vais appliquer filtre. Euh, je vais appliquer euh, un hill. Voilà, donc lui il a corrigé, il a corrigé des, saux, des choses, plus ou moins, d'accord, ok. Euh, alors ça m'embête qu'il corrige au, au, niveau du, au niveau du ventre, d'accord, mais on va dire qu'on on va corriger quelque chose comme ça. Apply. Très bien. Et ensuite on va faire un filtre. Euh, alors fabrique sur celle-là, je pense que ça n'a pas franchement de sens. On va quand même regarder ce qu'il fait. D'accord Je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire que. Ouais, il retire un peu des plis. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'il retire aussi des choses là. Donc, en fait, la zone que le backdrop n'avait pas fait, euh, il s'en occupe, euh, occupe un peu à ce niveau-là. D'accord Donc. Euh, et je peux aller plus ou moins. Ouais, vous voyez, il va aller s'occuper de la zone qui est là. Alors, allons-y. Ça fait quoi, ça D'accord. Alors autant euh, là j'aime bien, autant là je suis moins fan. Donc je vais en mettre moins. J'aimerais retrouver un peu des, des plis que j'avais là. Apply. Et puis ensuite filtre. Euh, alors ils ont un, un panel Photoshop hein, pour lancer tout ça euh, si on veut. Et je vais terminer par un Dodge Burn. Donc je vais terminer par un Dodge Burn. Et, OK. Très bien. Euh, voyons voir. Ah oui, on le voit, on le voit pas mal là. Hein. C'est-à-dire qu'on le voit ici, là notamment. Et on le voit ici aussi. D'accord Ok. Donc on, on va faire quelque chose d'assez élevé par là. Apply. Très bien. Je vous propose qu'on sauve ça et qu'on se retrouve dans Lightroom avec celle que moi j'ai développée. Donc, nous voilà dans Lightroom avec la photo que moi j'ai développée, la photo que lui a développée. Si on regarde les. On va regarder le visage. D'accord Donc, si on regarde le visage, on voit par exemple, moi j'ai laissé des choses comme ça. Vous voyez J'ai laissé ça. J'ai laissé ça. J'ai laissé ça. Ici. D'accord Généralement, je laisse ça euh, volontairement, en fait, pour que ça fasse pas trop retoucher. C'est assez retouché, hein, on n'a pas, pas l'impression. Mais souvent, j'en laisse qui me gêne pas pour que, justement, ça fasse, euh, ça fasse euh, moins retouché. Si on regarde au niveau euh, de j'aurais tendance à dire que... Euh, ouais, il y a des petites différences, mais c'est pas énorme. D'accord Donc... Je dirais, ce truc-là est, est acceptable en, en, en tant que tel. C'est pas mal. Ça peut faire gagner du temps. Si on est content du résultat-là, euh, ça peut faire gagner du temps. Moi, personnellement, comme je dis, j'aime bien laisser plus de trucs. Mais je veux dire, ça, c'est pas, euh, pas mauvais. D'accord Ensuite les différences qu'on peut avoir alors on va aller sur le, sur le ventre. bah ben oui, lui par exemple des petits trucs comme ça, il les a retirés, celui-là il l'a retiré aussi. Euh, tandis que moi je vais moi je vais avoir tendance à les, je vais avoir tendance à les laisser. celui-là c'est pareil, moi je vais le laisser. Lui, il l'a retiré. Donc, alors, d'un autre côté, pareil, celui-là, vous voyez, je les ai laissés ici. Lui, il les a retirés. Alors, on aurait pu lui dire, on aurait pu lui dire, lorsqu'on retire, ne t'occupe que du visage. C'est-à-dire en allant euh, effacer euh, sur toute la zone du reste de la peau, le reste. On aurait, on aurait pu faire ça. D'accord Ensuite, ouais, moi, j'ai dû corriger. Ouais, j'ai plus corrigé, je pense certaines petites rougeurs, d'accord, parce qu'on voit des rougeurs là qui sont là. Non, remarquez, elles sont là. Euh, ouais, à voir. Donc, mais c'est pareil, c'est pas mauvais, d'accord. Euh, ça peut faire gagner du temps. On voit que le gros là, moi, je, je, il est là, et il est là. On l'a tous les deux. Ok, les différences, par contre, c'est moi. Par exemple, je me suis occupé ici de la partie de la partie. Euh, euh, cuisse et lui ne s'en est pas occupé du tout c'est à dire que là on voit les, on voit les marques ici sur la cuisse tandis que vous voyez chez moi on les voit plus OK Mais ça peut faire gagner du temps, ça peut faire gagner du temps. Alors euh, est-ce que ça vaut le coup? Comme je dis c'est pas mauvais ça peut faire une première passe, et ensuite, on fignole. Et donc, ça peut faire gagner du temps. Mais ça, j'aurais tendance à dire, ça dépend un peu de la machine que vous avez, euh, de l'habitude que vous avez de faire ça. Parce que quelqu'un qui a euh, relativement l'habitude de, de, de corriger de la peau et qui va pas trop loin, hein, évidemment, qui va pas trop loin, il va quand même assez vite. Donc, à vous de voir. Le prix de ces choses-là, par contre, ce n'est pas donné. Hein, on est en train de parler, je crois que c'est euh, 90 euros le plugin. Allez voir sur euh, leur site. Euh, je vous mettrai un, un lien. Euh, alors, il y a un lien qui vous permet de gagner euh, 20%. Je ne sais pas si je l'ai dit euh, au début de la vidéo, je ne crois pas. Euh, vous aurez ça dans la description, vous aurez ça dans le truc YouTube. Euh, je ne touche rien, hein, rassurez-vous, comme d'habitude. Je, je, je ne mange pas de ce pain-là, donc euh, je, je refuse systématiquement tout ce qui est euh, affiliation. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bah, écoutez, on se retrouve pour la prochaine fois. Au revoir!